président que le peuple a proclamé, qui c'est ancien sénateur Guy Philippe, côté qu'il te baille coup d'envoi, il m'a dit tout pays à camper sur deux pieds. Et bien, pas plus tard que hier, qui était 3 avril 2024, là, Guy Philippe parlait dans les médias dans la capitale pays d'Haïti. Haïtien, frère, monsieur, c'est Guy Philippe qui pral parler dans l'émission ça. Vous pral tendez? Ah oui, vous pral tendez. Et c'est président Jovenel Moïse qui pral parler dans l'émission ça. Et ce dossier, CARICOM, politicien, assassin, criminel, reste avec gang qui n'a politique d'Haïti, qui nous pral aide à comprendre le dossier ça dans la démission ça. Jodi, c'est 4 avril 2024. Ralenti chèzba ou parce que vous pral gagner information et vous pral tendez. Nous pral décortiquer ensemble avant vous. Intervention ça que commandant Guy Philippe fait hier dans la démission ça. Monsieur parle causé. Monsieur parle causé. Ou prenez nous prenez décortiquer. Et c'est ça pour nous connaître. Interview que. Alors, émission que Mono Scott te fait sous Guy Philippe. Connaît que monsieur t'a parlé en 2017. 7 septembre 2019. Mono Scott te fait émission ça. Mono Scott, malheureusement, qui part avec nous encore. Nous saluons mémoire. Mono Scott t'a décortiqué pour nous. T'as décrit le comportement et commandant Guy Philippe gagné pendant que l'in en prison aux États-Unis d'Amérique. Et bien, moi, lorsque t'expliquer Guy Salouer, qui a étudié, qui a formé tête li en de prison, le Guy Philippe sa vie dans le pays d'Haïti, système n'a pas le problème. Système n'a pas le problème, système n'a pas le coup. Et c'est évidemment Guy Philippe ça que nous-mêmes, dans Info Beto, que nous prenons fort en dé, dans le commencement de l'émission, hein, jusqu'à ce que, pour nous arriver, dans Maman Pemba, parole qu'on doit connaître, que le pape Djouyo, qu'on doit connaître dans l'émission ça. Jodi a, j'en dis nous, hein, c'est 4e jour, dans 4e mois, dans l'année, qui c'est avril, et moi content, justement, pour m'ensemble avec nous. Et général, là, chef révolution, hein, qui c'est commandant Guy Philippe, lui parle, nous pral analyser, décortiquer et faites un commentaire sur l'intervention commandant Guy Philippe là. Il est très intéressant pour nous tendre jodi hein, parce que c'est lui qui d'actualité et il dit deux bagages qui sont extrêmement importants pour que nous analysions ensemble avec vous. Et m'a dit, yon homme, yon femme qui était impliqué dans tout le président Jovenel Moïse, ou met pozo ou, et m'a dit, surtout pour juge vicieux, volé, corrompu et le Walter, ou est-ce volo, ou met pozo garçon, l'histoire. Parce que créons l'histoire pas gengom, créons peuple pas gengom, yon écrit pour ou, li pa vivre face garçon, ou met pozo ou. Peuple a payé à gen question pour pozo ou. Walter ou est-ce volte? Ti volo, ti gang, ti terroriste, kidnapper, assassin, tout le système dans le système judiciaire là. Ariel parle encore. Donc rachet, volé. Paul Denis mourit. Donc rachet, volé. Il y a foutu code dans le bois quand même. Tôt ou tard. Parce que tu es Jovenel Moïse pour une deuxième fois. Et que tu es président dans les conditions pareilles dans le pays. Il a maltraité le président. Il a humilié le président. C'est grave. Jovenel Moïse pour parler dans l'émission. Hein. C'est comme s'il était vivant. Si on va le tendre, on va l'étonner. Guy Philippe parle. Pays a dû étendre. Nous pas prêter trop de temps. C'est extrêmement important. Alors, m'a invité à partager, commenter, ensemble avec nous, parce que c'est très, très intéressant. Mounio. Ça a l'air intéressant pour nous. Alors, commandant Guy Philippe, dans le micro, tel fort, on avance avec Vladimir. Même yo, même non. C'est ça qui passe le système, non. Et l'on a dénoncé, l'on a pas de vous réveiller, yo même, yo m'a dérangé. T'allez. On va aller prendre le non. Signal Afrique, vous voyez là, c'est le signal. Ariel Henry qui t'est. Ariel Henry qui te gen discours ça, yo même qui te basé li contre intervention militaire, qui yo même te présenté comme nationaliste, Vladimir Désiré, bataille qui a mené. Là, yo présenté yo, c'est comme si ça pas jamais existé, vous êtes tout le monde d'accord et yo mette tête ensemble. D'ailleurs, oui, nous prenons le commandant Guy Philippe. Je vous dis ça, qui mérite de faire un pile effort. Nous prenons le commandant Guy Philippe. Il faut vous montrer qu'on veut changer ça. Il faut une formation qu'on va battre tout ça. Moi, c'est très, 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 très important. Ça, les deux messieurs, ça, on a fait belle émission ça. Nous là, n'a pas retourné à Rosemont tout à l'heure, mais là, nous avons avec nous en ligne le sénateur Guy Philippe.
Sénateur Guy Philippe, nous comptons en pile pour nous rejoindre nous matin en micro Vérité Radio et Télé Éclair. Bonjour, comment nous y est? Non là, moi-même tout me content, ensemble avec nous, nous vont-y parler. Bon, et plaisir à partager. Mon cher, pendant nous là, nous avons maté, nous avons commenté, nous avons regardé. Surtout ça qui passe dans le Sénégal hier, et je connais le dossier, ça aussi certain que vous suivez par rapport à la bataille que vous menez sur le terrain là. Qui j'ai regardé ça qui passe hier, victoire de Bassirou Diomaye Faye, lui-même à 44 ans, qui est président avec force population. Allô? Vous connaissez, c'est pas seulement ça qui passe au Sénégal. Il faut regarder pour ça qui passe dans toute l'Afrique de l'Ouest là. C'est vrai. Et que soit ou tout côté au Mali, Burkina Faso, mm-hmm. et soit Guinée, soit toute zone ça au Sénégal, et peuple africain a privé, il a comprendre que faut qu'il prenne la main. Et après tout temps ça sous occupation et après ça sous j'ai à contrôler toute finance tout bagaille dans pays ça yo. Et nèg yo comprendre que aide humanitaire pas jamais retirer un pays dans misère. C'est pas blanc qui a venir tirer dans misère, quel que soit non blanc. Que le français, que l'américain, c'est pas blanc qui a bien sauvé nous. Mm-hmm. C'est nous-mêmes citoyens pays, il y a pour responsabilité nous et pour nous diriger pays nous vers un développement durable. Ça peut nous attendre, ça peut nous. Et penser que nous-mêmes comme leaders, supposés faire pour leader. C'est ça qui a passé dans toute Afrique, pas seulement Afrique de l'Ouest, qu'on a regardé, dans toute Afrique là et mouvement là, et dans l'Amérique latine là, et nous, ça a fait. Ou senti qu'on a traversé l'Abjambé continent? Il est déjà en Abjambé, il est dans l'Amérique latine, il est dans l'Afrique. Et dans quelques pays, même en Asie. Donc, je pense que quand là, c'est temps pour Haïtiens, nous prendre conscience, nous réveiller, nous, pour nous comprendre, c'est nous qui vous mettons. Bon, bien entendu, il faut me reconnaître que les Haïtiens ont vu changement. Les Haïtiens ont réveillé. Ils m'ont des changements, ils n'ont pas tant de changements. Et ils ont vu un changement. Les Haïtiens ont une bonne direction. Ils ont continué comme ça pour nous arriver. Encore une fois, il n'est pas facile. Le système n'a pas joué. Système n'a gagné tout le bagage. Ou même qui n'a radio, on a système n'a contrôlé majorité presse en Haïti. On a système n'a contrôlé police nationale là, et en grande partie. Système n'a contrôlé toute force coercitive. Il y a tout le bagage qui vous fait répression dans le pays. Système n'a contrôlé. Système n'a armé jeunes garçons et jeunes femmes dans une zone défavorisée. Pendant plus que 6 ans, dès que ça a commencé depuis 1995 avec l'armée rouge, mais dans les dernières 6 années, ça a système n'a assuré l'armée de tout côté. Pour mener Haïti côté il y a un trou que il y a. Ils ont assassiné le président en fonction. Ils ont humilié le président pour faire nous comprendre Haïti, même les mon nègre, ils ont capturé les ouvriers. Ils ont imposé. Non seulement fin du président, ils ont pris le pouvoir. Et je dis encore, ils ont sorti pour prendre le pouvoir avec même éléments foués que il y a un trou ça. Regardez nos mounes qui n'ont conservé, par exemple, CARICOM, États-Unis, la France, avec le Canada, Baila. Tout le monde qu'on ne connaît déjà. C'est même mounio. Même yo même non. C'est ça qui passe le système là. Et l'on a dénoncé. L'on a pas de peuple pour réveiller. Yo m'a déragé. C'est comme si c'est vous-même qui désordre là. C'est vous-même qui va réveiller à marcher. Comment pour nous t'a quitté même vagabond ça? Qui prend ça au crasé pays? Soit comme sénateur, soit comme gouverneur de la banque, soit comme ministre, soit comme l'autre bagage. Qui toujours entre dans la ça? Soit monde qui te comploté avec James Defoli. Ploté fait bagaille, conseil des sages, bay bourgeois, oligarque ça, plus que 3 ans d'exonération, craser l'économie du pays, font restructuration et bagaille l'État, vendre tout à perte, côté que le minoterie, que le cimenterie, que tout bagaille qu'on a bien, téléco, tout, ils vendent à perte, qui fait que le pays à genoux. Même système ça qui depuis 1994 permet que l'étranger a rentré là, la volé iridium nous, la volé tout petit sanguin et reste sanguin dans ce sol là, yo permet yo avec arrogance yo, pour dire ces réserves stratégiques yo, pendant que le peuple nous a lui-même là, mourir dans le grand goût. Donc je dis à vous penser pour le peuple là, t'as croisé bras pour accepter ça. Nous pas qu'à accepter. Nous pas qu'à accepter. Nous avons voulu accepter et on voulait obliger pour tout accepter en intervention militaire. Ça tout là-dedans. Malheureusement, et pendant que vous parlez de ça, c'est même monde qui tape goumé contre Ariel Henry, qui te gen discours ça, yo même qui te basé li contre intervention militaire, qui yo même te présenté comme nationaliste, Vladimir Désiré, bataille qui a mené. Là, yo présenté yo, c'est comme si ça pas jamais existé, vous tout le monde d'accord, et yo mette tête ensemble, tout ça blanc dit bon, et yo décide faut qu'il aller dans l'INSA. Attends, non, gouvernement Ariel Henry, la valace c'est toujours là-dedans. PHTK est toujours là, très bien. La valasté là, PHTK est là. Oui, je ne sais pas si ça est tourné. Nous, que nous avons toujours allé dans la même logique que Ariel Henry demandé intervention. Bon,
Je dois avoir une exception, un monde qui te propose la journaliste qui rentre dans la logique, ça, pas pour qui raison, pas pour qui folie. Mais la majorité de ça, est toujours dans le gouvernement Ariel Henry. C'est ce que tu as pris. C'est la continuité du gouvernement Ariel Henry. C'est ouvert qui monde qui choisit, ouvert qui entité qui choisit, la valance pour qu'on libère 4 mounes, Aristide pour qu'on libère 4 mounes. Mais il y a un problème avec Jean-Marc Aristide, non? Aristide pour qu'on libère 4 mounes? Vous suivez. C'est vrai, c'est vrai. La valance pour qu'on libère 4 mounes. Alors, ma petite, nous attendez et. Émission ça, que commandant Guy Philippe participe là dans l'île. Intervention ça, commandant Guy Philippe fait ya. N'attendez-le et puis nous pral faire des commentaires. Nous devons attendre avec un pile intérêt. Parce qu'il y a un pile parole qui pral dit là. Et nous devons comprendre la vérité. Il y a un pile cause qui parle. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Dossier ne qui vole encore pays. Dossier, alors même criminel yo, même moun sal yo, même moun senti yo, même assassin qui met Haïti la yo, c'est yo qui yon petit groupe blanc pa yo, qui besoin aider yo, vin prendre pouvoir encore, pour faire qui s'en va connaître, continuer fouiller pays en entour. Et je dis, à fond, dit monsieur Clément, nous comprenons, je vais être là, elle pas passer. Son violence que yo décide de continuer faire, sans pareil, faut nous montrer nèg yo, nous pas capable de continuer subir violence sa que yo fait sous nous. Et nous faut défendre tête nous, pas n'importe qui moyen. Commandant Guy Philippe, président proclamé par le peuple haïtien. À l'appareil, en avance. Bon. Gardez-vous bien pour et même groupe là, même dans ce là. Comprends l'esprit Voltaire, comprends Gérald Gilles, comprends Fritz Jean, comprends toute nature, c'est dans la valance à aussi. Ça que t'es gouverneur, ça que t'es sénateur, ça que t'es ministre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est même mouvement, ça crase le pays, qui fait blanc craser l'institution, l'armée d'Haïti, qui vend cimenterie, minoterie et naol, qui fait toutes des autres, qui baille blanc cadeau, tout ça qui en bas sous sol, iridium, l'or, cobalt, tout ça pour retirer le pays dans la misère, tout ça pour améliorer les conditions. La vie peuple, yon fait blanc gado et permettre blanc faire arrogant, c'est contrôler Haïti. Je dis à la même police yon va en Haïti si ambassade américaine va accepter. Et puis je dis à la même blanc ça a dit ou va faire tout sécurité, faut bien intervention militaire qui fait dans le pays. Laissez le mettre chef police, laissez le former police, laissez le décider qui est cap commissaire, c'est le décider qui est cap ministre justice, c'est le fait tout ça la faire. Blanc échoué et puis blanc veut dire nous émager, c'est nous pas bon. C'est vrai que l'élite politique Haïti a péché, c'est vrai que l'élite économique Haïti a péché, mais blanc responsable, tout ça qu'a fait là, tout ça qu'a passé là, que blanc suspend avec bagaille hypocrisie là, que blanc suspend la propose li bon, c'est acteur haïtien, non, yo même tout, c'est que suspend fou et bouche dans bagaille haïtien. Yo gen responsabilité. Yo va même ban nous droit pour nous faire erreur, tout pays fait erreur. Tout peuple fait erreur dans la ville, pas vrai? La France après la civilisation, n'est-ce pas coupé tête ouaïwa. Ou songez au coupé tête roi et Louis XVI. Ah oui. États-Unis, avant elle, il finit une guerre civile. Et après, il finit une guerre pour question droit monde. Il n'y a pas de reconnaître monde noir comme monde. Avant elle, dans l'année 1960, avec Martin Luther King, nous jouons toute bataille ça, avec Malcolm X, tout le monde. Tout le monde, même là, on fait une erreur. On sait corriger. Parce qu'ils vont apprendre de l'erreur. Nous, même haïtiens, et on fait blanc par les corriger. Ils veulent pour nous continuer à faire parce qu'ils ont dicté. Mais il faut quitter dans le repos, quitter dans la paix. Puis vous êtes après de vous parler du oui blanc qui donne ordonne. Qui ça blanc? Suivez les États-Unis, la France, comme les nations de la Cabaye Haïti, c'est pas mal aide encore. Nous n'avons pas besoin d'aide ça. Aide dure, il y a bonne, il y a un cadeau dure, dure empoisonné. Aide pour craser. Quelques mille ballons tout, oui. Il y a comme 40 ballons et vous êtes ministre qui a bravo. Merci, merci, merci. Et gosse et rebondi, oui. Kounia là, il y a un frappé, il y a un fait tout le monde. Là, même si la relation était capable pour nous, si nous faisons avec la Chine et avec Taïwan, nous avons un deal pendant que c'est un Saint-Domingue lui-même qui est Timoun et tout, à faire belle bagarre avec la Chine continentale. Mais nous-mêmes, nous sommes tellement pleins, tellement capons, tellement sous-sous, blancs, on va nous faire ça et puis tout le monde fait. Et puis, regardez bien, vous voyez, tout le monde est blanc, mettre en position, c'est un blanc, il y a un dossier sur eux. Nous sommes blancs contrôlés, vous voyez bien. Quand il est blanc, dit à droite, il est obligé d'aller à droite, à gauche, à gauche. Sinon, blanc, dit attention, nous avons ça sous. Il y a un dossier, vous allez où? Et puis, il y a des citoyens sérieux, le monde peuple a quoi dans lui, le monde qui veut changer, blanc, camper, un lion, un tigre. Je dis à l'île, il est temps pour le peuple haïtien camper un lion tout,
et pour défendre ça sans supposer défendre. Exactement. N'a pas bay Haïti. Démocratie, c'est pas bagaille élection seulement blanc, peut déparler comme si c'est ça seulement. Démocratie, oui, élection et science électorale. Non, démocratie, c'est droit si moun gagner pour manger. Exactement. C'est droit jeune garçon et jeune femme qui doit pour rejoindre travail dans le pays. Démocratie, c'est droit gagner pour nous vaquer paisiblement, tranquillement de on point A à un point B. Pour nous vivre dans le monde. Nous pas demander pour nous vivre style la vie blanc. Que blanc qui t'en vive. Et toute haïtienne, j'en ai vu là. C'est ça seulement, nous m'a dit, ouais. Je dis à Yovli, imposez-nous un accord avec sept nègres, sept premiers ministres, comment vous avez là, sept premières dames, sept cortèges, sept bagailles qui pouvaient diriger mon pays. Si ça vous dit, nous avons un peu mal, et puis vous avez une intervention militaire musclée. Pour venir tuer les gens, assassiner les gens, fermer les bouches qui ont un dossier, fermer les bouches qui ont une vérité, et puis on dit pour nous battre bravo, pour nous accepter. Est-ce que nous avons accepté, monsieur? Regardez Haïti. Regardez qui ça, intervention. Sénateur Guy Philippe. Lagué nous. Regardez qui ça, politicien corrompu, sans colonne vertébrale, lagué nous. Il le dit, mes amis. Quittez le peuple à prendre des selles en main. Et le peuple à vrai, et le peuple à aller la rue chaque jour, le peuple à réclamer ça, vous voulez. Quittez le peuple à joindre ça, vous voulez. C'est la terre. Pour qu'ils aillent continuer et poser. Sénateur. Oui. Moi, entendez, vous avez parlé de quelques pays de l'Afrique et sous comment qu'ils avaient émergé, sous comment qu'ils avaient essayé de changer politique. Et moi-même, je connais de nos jours, politique parfaite que ça ne pas garder côté géopolitique là. Mais est-ce que vous même avec équipe ou conscient de ça, est-ce que il y a des dispositions que nous prenons? Parce que il y a longtemps que il y a des pays n'a pas parlé, nous avons toujours continué à parler avec eux, mais il y a des relations avec équipe de plus concrètes, plus directes avec des autres pays qui permettent que nous sortions dans ce niveau-là. Il y a ça dans le plan où, sénateur? Problème, nous en Haïti, tout le monde pense que c'est ou bien États-Unis, ou bien la Russie, ou bien bagage, soit avec États-Unis, avec la Russie. Sous pas dans États-Unis, faut la Russie. Faut dans la Russie, non, c'est pas vrai. Il y a des relations sud-sud, qui parfois viennent plus bon contre ce pays de Haïti. Nous avons besoin de bon gens aide dans l'Afrique pareil. Nous avons besoin de bon gens aide dans les Amériques latines. Nous avons besoin de bon gens aide de qualité que nous besoin. Qu'est-ce que nous besoin, monsieur? Nous besoin de faire Haïti retourner prospère, faire pays à produire céréales pour nous suspendre, importer du riz. Nous avons importé plus qu'un milliard de dollars de riz chaque année. On dit riz empoisonné, oui. Ça, j'ai assuré, oui. Nous avons importé plus qu'un milliard chaque année. Tandis que nous avons basé la tribunite là. De poisson diagonale, si nous irriguons, nous avons qui cap irrigué, nous avons qui irrigué, pour nous faire tout du riz que nous avons fait. Nous avons fait dans le bac au noir, nous avons fait dans la plaine des cailles. Chaque valet côté, d'ailleurs, du riz fait tout côté. Mais tout sénateur, pays du sud de tout. Et en pile là, on comprend bagarre de nos jours. Parce que le regard de comme impérialisme, surtout impérialisme américain, impérialisme français, j'en ai développé là. Et ils comprennent ça tout. Ils même tout, ils comptent au Corée tout. Ils ne peuvent pas finir affaibli trop. Comment nous-mêmes, nous n'avons pas de problème ni avec les États-Unis. Non, ma parole de pays du sud. Ni avec la Chine. Excusez-moi. Oui, vous m'avez avancé. Vous m'avez avancé, sénateur. Nous n'avons pas de problème avec le pays, ça. Nous avons une zone quand même. Haïti a une zone. Il n'y a pas de monde qui a une pression. Si ça va, qu'on y a le monde pas uni pour les encore. Grâce à Dieu. Le monde chargé, les pôles politiques. Oui, bah, elle a changé là, la ménage. N'importe quel pôle, n'a pas un pôle qui veut prendre. Si ça va, il n'a pas un autre. En tout cas, là. Mais, il n'y a pas de pour nous accepter, pour nous vivre dans l'indigence que nous vivons là. Il n'y a pas de que nous-mêmes, comme leaders, pour nous accepter pour peuple nous à mourir chaque jour. Que si moun pral l'école sans manger, que professeur pral faire cours sans manger, que moun bakab apprendre, que tout ça ou vle, tout ça pour nous manger, faut que son bagage importé lié, faut que bourgeoisie nous envie, nous bourgeoisie nationaliste, faut que yon investi dans la production nationale, et faut que yon loi qui là, qui pour protéger l'agriculteur nous, même j'en gen loi États-Unis, gen loi la France, qui protéger l'agriculteur par eux, pour que son bagage protéger pas non, ça ne cap produit en Haïti, c'est en Haïti pour nous produire, si moun gen kob yon vle importer, ok, yon cap importer, paye le piché, mais production nationale, nous, faut que nous protéger le. Faut que nous baille peuple nous manger, faut que nous baille peuple nous sécurité et faut que nous baille mon dignité. Est-ce que mon ouais qui fuit de cerveau qui cap fait là ou est combien jeunes garçons, jeunes femmes nous qui formés, qui bagaille, qui obligés à Chili, au Brésil, à Saint-Domingue, aux États-Unis, à la France, au Canada? Est-ce que nous ouais, non seulement à craser pays dans ça nous ouais, dans voler tout ça bien, mais à craser tout là on fait tout cerveau nous à courir qui des pays parce qu'on crée conditions pour que nous ne va venir en Haïti. Là, sénateur, discours qu'on a porté là, c'est certain que l'éclair devant tout le monde, et c'est des réalités qu'on a parlé. Là,
Ils sont pays qui en bas pied blanc, toute bagaille qu'a fait, j'ont tab dit tout à l'heure, c'est blanc qu'a décidé et n'a vivre là avec question CARICOM ou ensemble des monde qui pas d'accord entre temps pour te gain question et débarquement et force là, yo tout là des soumis, yo tout d'accord là, silence total, tout monde d'accord, tout ça blanc dit. Maintenant Non, pas tout le monde d'accord. Alors, ma parle de groupe. Non, ma parle de groupe moun ki nan conseil là. Avec yo, yo même qui te gen discours avant, ba elle a changé, yo d'accord là pour yo entrer là-dedans, pas gen problème force pour venir encore. Yo tout signé pour ça. Donc là, ou même qui vini avec discours ça, 30 novembre ou nan pays a ou rentrer là avec ça ou changer données politiques yo que nous toujours a dit ici a là, gon paquet bagay qui changer parcours nan Gonaïve, nan l'autre zone yo, nan Grand Nord, nan Grand Sud. Pour rentrer dans la capitale, là, on semble des bagages qui automatiquement changé, qui viennent ban nous aujourd'hui. Ariel Henry, comme docteur qui premier ministre, qui parle là encore, là, on vide, bataille là, à continuer, ou viennent plusieurs camps cap goumen aujourd'hui. Qui j'en ou même qui pote discours ça, qui a mené bataille ça, ou évaluer le aujourd'hui, qui c'est 3 avril ça, après environ 4 mois plus tard, qui a mené bataille là sur le terrain. Vous pensez que bataille là, plus vite toujours que me dépenser le d'abord aller? Parce qu'en révolution, ce n'est pas prise pour voir, c'est pas un coup d'état. Banon second, sénateur et président de la République. Haïtien Fomsem, jeudi, c'est 4 avril 2024. Pablié sous plateforme Panouan, qui est sur plateforme YouTube, Info Bertoa. Moi, content pour me saluer, non? C'est un plaisir pour moi pour que je rentre la caille, non? Mon n'attendez à ce commandant, général, non? Ancien sénateur, non? Et n'a pas gardé sur écran combattant, ok? Et président de la République que le peuple a proclamé, justement, et qu'il a accepté, il prend courage à deux bras. N'a pas mené combat. N'a pas fait échec avec mouvement CARICOM. Ko groupe impose nous déjà. L'OEA impose nous mateli déjà. Ok? Mais qu'on y a ou pas, yon utilise. Si organisation régionale sa yo, pour vin impose nous, yon mal propre qu'on lève 7 têtes dans le pays, pour vin continuer tout yon moun dans le pays. Si soit que nèg fout touye tout haïtien yon seul coup, ou bien fout accepter, respecter choix peuple là. Sinon, par la prête pitris, que ça n'a imaginé. Parce que papa, il pas possible, tout le monde comprenne ni. Ko groupe fait déjà. L'OEA fait déjà. Mais qu'on a utilisé un paquet de organisations dans la région là pour venir imposer nous, yon coulève cette tête avec même volet, même vicieux, même corrompu, même ennemi pays. Ya. Et pour peuple la fout pour moun sa yo, fout yon bois calé en de pays, ya, parce que ce sont des assassins que yon yon, nous pas quitter yon là. L'inacceptable. Et faut que nous fassions bagay le plus vite que possible. Haïti pas qu'à souffrir encore. Faut que nous fassions bagay plus vite que possible. En entendant, commandant, président, qui c'est commandant Guy Philippe, en avance. On méchant. En révolution, il faut qu'on fasse dialogue avec le peuple. Il faut que le peuple accepte l'idée et suive lui. Le peuple haïtien épouse l'idée depuis la première semaine et suive lui jusqu'à aujourd'hui à la suivre lui. Son gros bataille, son gros bataille qui fait, papa était tout menti. Actuellement, là, c'est l'équipe PAM avec allié nous, avec le peuple là, contre tout volet d'écraser et volet pays. C'est ça lié. Et deux camps? Deux camps liés. Sont deux camps liés. C'est le monde qui a le peuple là, avec le monde qui compte le peuple là. Tout le monde. Qui a le sale corps, dans le bagage CARICOM. Pour quelque soit raison, les gens qui comprennent, sont volés liés, sont apatrides liés, sont criminels. Tout le monde qui a pris le courage pour Kenya vienne là. Tout le monde qui a pris le courage pour ce CARICOM, c'est le pays qui a 60 000 personnes qui ont décidé qui ont un gros peuple qui a été supposé vivre et vivre vie politique. Tout le monde qui a accepté l'humiliation, ça, pour ces ambassades qui ont dicté tout ce qu'a fait dans le pays, le monde est aussi criminel. Que Nexao, qui a volé toute sa mienne en bas sous sol noir. Que Nexao, qui empêchait tout le monde de manger, qui empêchait le monde vivre avec dignité en Haïti. Donc je dis à la bas, elle est claire. C'est ou bien nous sommes dans le camp peuple là, ou bien nous sommes dans le camp l'audio, camp conseil, camp traite. Vous résumez la deux camps. Sénateur, sénateur, je vais regarder là. Nous sommes un pays qui n'a pas de monde qui a mené du tout. Bon, c'est déjà pas de la présidence. Non, difficulté. Non, oui, m'a venu côté besoin arriver là. Et nous pas la bon, la présidence ça pas d'exister depuis les Jovenel fin mouri, bon pas n'a pas l'air, pas un président. Et dernièrement là prendre bon, déjà un mois là depuis Ariel Henry n'a campé loin. Pas un premier ministre, regardez tout ça qu'a fait dans le pays, même les que nous des premier ministre boivé, bon par contre ça qu'a réglé vraiment. Mais kounya là Guy Philippe lui-même t'a annoncé une révolution. Guy Philippe annonce une révolution et tout le monde connaît soit annonce une révolution, c'est pas élection qu'il va faire pour pouvoir dans l'élection, c'est son gros point qu'il mettait pour prendre pouvoir. Est-ce que qu'on a là nous capable dit et un refroidissement
dans révolution parce que nous ouais temps passé temps en temps ils annoncent un bagage et hier annoncé ton gros proclamation et m'a dit que l'équipe a fait mais en pleurs que nous t'app donne nous pas joindre ni est-ce que son Guy Philippe capitaine qui longe pouvoir Bali ou bien lui-même il décide de force pour la prendre. Bah moi je révolution qui plus grosse révolution nous connaît dans 20e siècle là tout passé là. Si mon bras dit révolution cubaine. Ou en combien de temps il prend pour révolution cubaine là atterri? Deux ans. Deux ans de leur fidèle débarqué dans et grand-ma. Il fait deux ans avec 12 grands nègres de Sierra Maestra jusqu'à ce que deux ans après, peuple libre le pouvoir avec soldats, liberté qu'il a gagné avec elle. C'est comme ça, la révolution pas faite du jour au lendemain. Prise de pouvoir faite du jour au lendemain. Okay. On a décidé là, quelques nègres à me rentrer, m'occuper, me dire mon pouvoir. Révolution fait autre chose. Et depuis le départ, il a dit son révolution pacifique. C'est ça, me dit toujours dit. Mon avait essayé de déformer, mon avait dit moi-même, moins clair. Révolution mondiale, c'est une révolution pacifique et c'est ensemble avec la population haïtienne n'a pas fait. C'est seul gens nous avons bien légitimité que nous besoin pour nous camper garder n'importe l'autre nègre qui est écrasé pays, qui a écrasé pays, qu'on dit attention, nous avons légitimité populaire. Tout ça, n'a pas fait, c'est non peuple, c'est où non peuple. Le papier nègre qui a volé, monté, ah Guy Philippe, mettez-vous à terre, oh Guy Philippe, foulaille, oh Guy, non, deux jours besoin de venir, ou bien vous assassinez, ou bien vous mourrez, vous tuez, mais criminels n'ont pas le droit. Mais qui a fait ça? Nous avons un plan pour lui, nous avons un plan pour nous faire, moi comme beaucoup de gens ont été. Nous faisons 6 ans et demi kidnapper les États-Unis, kidnapper. Quand ils ont été, les Haïti sont tombés dans tout ça. Quand ils ont été, ils ont amené tous les jeunes garçons, toutes les jeunes femmes, quand ils ont été, ils ont volé tout le corps de pays. Quand ils ont été, ils ont volé 9 milliards de dollars, Petro-Caribé, avec le corps de construction d'Haïti. Quand ils ont été, c'est la même source là, ils ont volé tout. Et puis, je dis là, il y a parlé d'un nec qui fait saut un dent, tout kidnapping aux États-Unis, qui vient là, dans moins que 4 mois, il ne peut plus camper. On va te dire tout à parler là. Tu as raconté tout, oui. Voler, oui. Tu connais où? Peuple a connu tout. Tout n'y a bluff, y a bête, y a fait volant, dernier cob, font dernier désordre, vend blanc plus toujours, pour tout le temps, grâce à blanc, sous pouvoir. C'est ça le géant qui a blanc pouvoir en Haïti d'ailleurs. C'est blanc pour Bayoul, c'est patron pour Bayoul, c'est ça que c'est tout. Ça ne va pas faire ça. Et puis, il y a un petit gamin, il y a une élection, mais quoi dans ce samedi-là? Alors, sénateur. Gardez bien pour vous, Zanivam. Révolution. Laisse-moi entrer là. Il y a des nègres qui disent, ouais, Seigneur, mettez Seigneur. Je te dis, créole va aller, créole comprendre, pas de transition dans la transition. Je force à rentrer dans la transition. Avec le mouvement révolution. C'est pas l'autre monde qui force, c'est le mouvement révolution qui force, accepter que le peuple n'a pas d'accord des autres. Parce que, habitué, tout ça, on dit, c'est bon Dieu parler. C'est pas immoral que vous, et c'est toujours qu'à propose mon moral, vient dire, mon ça, on a fait. Je te dis tout bagaille. Je te dis, Ariel Henry a plagié jusqu'à 2025. Côté peuple, encore une fois, grâce à la révolution et mouvement, je dis non. Je dis encore, nous disons, nous ne pouvons pas carrer comme ça. Nous ne pouvons pas imposer carrer comme ça. Mais nous combattons lui, parce que pas bon pour le pays. Pas bon pour Haïti. Nous campions en face lui. Nous mobilisons en face lui. Pacifiquement. Et pour nous dire, nous besoin plus bon Haïti. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, il y a parlé qu'il y a là de problèmes d'insécurité. Mais nous-mêmes, il faut que nous parlions clair avec nous. Il faut que l'hypocrisie soit finie. Qui est-ce qui crée gang? Qui est-ce qui crée jeunes garçons, jeunes femmes armées? Quand ils ont été. Les autres pas mis qui ça a été dit? Y a pas une côte munition sorti, y a pas une côte zam sorti. Qui est-ce qui vient cop qui pour acheter zam bien cher ça? Pour chaque grain de gagner 150 zam national dans chaque quartier populaire. Qui est-ce qui bat aux zam ça? Quand ils ont sorti, c'est ça qui fait. Y a peur programme amnistie m'a parlé oui, parce qu'ils ont peur. Ah, pendant qu'ils viennent à amnistie, sénateur, bah ça fait gros débat dans le pays. En pile mon a commenté, en pile mon a bah ils vont par où analyser. Alors qui change aujourd'hui a alors pays a tant dollars matin qui sont qu'a dit nous de ça ou venir avec li a question amnistie on parler en termes clair qui ça ou voulez dire et qui détaille qu'on précis qu'on ca bail matin pour tout le monde comprendre ça parler a son constat pour tout peuple haïtien tout le monde que dans trou que ni là pas facile pour nous sortir parce que nèg yo assuré que yo fouille dans trou fond et fait noir pendant 6 ans nèg yo pas mes jeunes garçons. Pendant 6 ans, chaque grain de 4, je tente de y'a cité là, y'a eu au moins 100 âmes longues là-dedans, qui derrière de son jeune garçon à sa patte, une jeune femme. Y'a assuré de mettre jeune garçon à qui nous avons dans condition pour pauvreté à tel, pour miser à tel, pour accepter de prendre route ça.
Parce que son projet n'est que de gagner, il fait tout ça pour le pays, il vole. Il ne va pas faire aucun projet de bagaille qui pour écraser la misère dans la zone défavorisée. Il n'a pas aucun espoir. C'est ça, il devant son équipe ministre vole, directeur général vole, président vole, premier ministre vole, ou international vole, cupide et hypocrite. Il prend voir ça. Je dis à là. Nous sommes capables de pays, il faut nous garder pour nous, non seulement pour nous craser le phénomène d'insécurité, mais aussi pour nous assurer que les bagages ne peuvent jamais tourner encore dans le pays. Et comment nous faisons pour ne pas jamais tourner si nous ne connaissons pas la vérité, si nous ne connaissons pas la source, si nous ne connaissons pas la racine du problème. Donc c'est ça que fait en pile là de peu commission vérité. Moi-même, moi dis, je offre amnistie à tout le monde qui veut. Si c'est l'équipe noire, les peuples à bonne pouvoir, n'a pas fiable ici, moi et dans la bonne vérité, l'idée de comprendre la complexité en série de problèmes, c'est pour l'insécurité. Nous ne pouvons pas aller aucun côté si pas d'insécurité dans le pays. Comment tourisme vient dans le pays? Comment on a créé richesse? Comment on a investi? Si nous ne mettons pas sécurité et la paix, et je dis à la, c'est pour nous faire dans pile l'autre pays, c'est pour la France faire, c'est pour les États-Unis faire la Jimmy Carter dernièrement, dans l'année 1980, c'est pour l'Afrique du Sud faire, c'est pour Bukele sur El Salvador, c'est pour tout le monde faire tout partout. Là où je sauve le pays, moi-même m'a offert amnistie pour me capter une vérité, pour me capter une base.